Il analyse dans un essai passionnant titré « Bouleversement » la décennie 2012-2022 qui a changé le monde. Il parle d'événements qu'il a vécu en tant qu'acteur. Président de la République de 2012 à 2017, Monsieur François Hollande est l'invité exceptionnel de Droit dans les yeux. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre bureau parisien et vous avez accepté d'accorder un entretien à une chaîne africaine, la chaîne d'information ivoirienne, Cette Info. Ce n'est pas si courant et je tiens à le souligner et à vous en remercier particulièrement. Je vous cite, « Le monde a connu une mutation qui a bouleversé les équilibres, renversé les hiérarchies, mis à jour les dangers majeurs pour la planète. » Écrivez-vous. Pourquoi considérez-vous que ces 10 dernières années, 2012-2022, sont des années charnières pour la marche du monde ? Oui, il y a des temps dans l'histoire qui sont des bascules. Et nous avons eu ces 10 dernières années une suite d'événements, de situations, d'actes qui ont sûrement changé notre monde et bousculé notre planète. Le premier événement, c'est l'arrivée de Vladimir Poutine en 2012 au Kremlin. Il avait déjà été président, mais cette fois-ci, il revient avec un grand dessein qui est celui de reconstituer les frontières de ce qu'était autrefois l'Union soviétique. Cet événement aurait pu se suffire à lui-même, mais il est aussi complété par l'arrivée de Xi Jinping, le président chinois, dont on avait dit qu'il était le continuateur et qui va être, d'une certaine façon, l'homme aussi d'une rupture, c'est-à-dire d'une volonté que la Chine soit la première puissance économique, politique, militaire du monde dans les prochaines années. Je voudrais vous citer sur ce sujet. L'alliance entre la Chine et la Russie est fondée sur un contrat implicite qui n'est plus seulement le rééquilibrage du monde, mais l'inversion des hiérarchies. Donc le dessin est pour vous très clair. Oui, puisque il y a une grande alliance qui se forme entre la Russie, pays qui est sans doute fort militairement, mais faible économiquement, et la Chine qui est tout l'inverse, c'est-à-dire très puissant économiquement, mais encore insuffisant pour démontrer ses capacités militaires. Cette alliance est une alliance entre deux personnalités, mais c'est une alliance entre deux puissances qui sont fondées sur les mêmes principes, c'est-à-dire la prévalence, la prédominance de l'autorité sur la démocratie. Ils ont d'ailleurs ces deux personnages, ces deux pays, une même aversion à l'égard de l'Occident. L'un, Poutine me l'explique très nettement, l'autre, plus subtilement, oui. Et les deux pensent que le temps de la revanche est venu, que il y a celui de l'Occident qui a dominé le monde depuis la Seconde Guerre mondiale et maintenant va arriver le temps des régimes autoritaires. Vous relevez un des éléments majeurs de ces changements, c'est la fin du multilatéralisme tel qu'il a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous diriez que la décennie que nous venons de vivre, si elle nous fait peut-être véritablement basculer dans le XXIe siècle, ouvre sur un monde qui est plus dangereux qu'il n'était ? Oui, car il n'y a plus de régulation du monde. Il y a une régulation, certes, on le voit bien, sur le climat. Et j'ai voulu, dans cette décennie, qu'elle puisse trouver sa traduction à travers l'accord qui s'était noué à Paris et qui essaye aujourd'hui d'être prolongé, d'être même renforcé. Mais il n'y a plus de régulation politique. On a vu que c'était la force qui l'emportait sur le droit un peu partout. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit aujourd'hui dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on le voit d'une certaine façon en Afrique, où la régulation que l'ONU était supposée apporter, les missions de paix des Nations Unies connaissent visiblement une faiblesse dans leurs moyens d'exécution. Donc c'est tentant pour les régimes autoritaires de se dire, puisque le multilatéralisme, puisque l'ONU ne fonctionne plus, eh bien nous allons avancer à notre rythme et avec nos moyens, c'est-à-dire celui de la force. Donc nous sommes bien dans un monde aujourd'hui plus dangereux. Oui, d'ailleurs le recours à la guerre, qui était jusqu'à ces dernières années quasi inimaginable. Inimaginable, même s'il y avait des guerres locales, on en a connu combien en Afrique. Guerre locale par rapport à nous, parce que nous sommes en Europe. Mais non, la guerre est autour de nous. Vous qualifiez la Chine
et la Russie de nos nouveaux ennemis. Bon, vous regardez ça de là où vous êtes, c'est-à-dire de France et d'Europe. Pourtant, bon, vous pensez vraiment que ce sont nos nouveaux ennemis ? Je dis que ces pays-là, avec les dirigeants qu'ils ont choisis plus ou moins d'ailleurs, ont le sentiment, que je peux comprendre, qu'il y a eu une gestion du monde qui a été certes ouverte sur le plan économique, mais fermée sur le plan politique, où ces pays n'ont pas eu forcément, notamment la Russie après l'effondrement du mur de Berlin, et même la Chine, la place que leur histoire, leur géographie, leur démographie justifiait. Vous comprenez ? Donc ça, je peux comprendre ce ressentiment. Et puis, il y avait l'idée d'une superpuissance américaine qui venait jouer les gendarmes du monde. Mais là, ils sont passés de cette revendication à l'existence politique et même à une certaine force dans le débat public à une volonté de mettre en avant d'autres principes que ceux des démocraties. C'est-à-dire le rôle des empires, la place des moyens militaires et la recherche à chaque fois de faire reculer ce qu'on appelle l'Occident. Et l'Afrique est un terrain de jeu pour ces deux pays. Vous comprenez Vladimir Poutine quand il dit « mais on s'est fait avoir finalement par ce qu'on nous a dit à l'effondrement du mur de Berlin et du bloc de l'Est », c'est-à-dire que l'OTAN n'avancera pas. Et pourtant, l'OTAN, il y a des pays qui sont... Tous les ex-pays satellites de l'Union soviétique sont entrés dans l'OTAN. Oui, ils sont rentrés parce qu'ils l'ont voulu. Tout à fait. Et ils ne sont pas rentrés parce qu'on les allait les chercher, qu'on leur a imposé un système. Ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas forcément en confiance à l'égard avec le grand voisin de la Russie. Et si la Russie avait été capable peut-être d'envisager des systèmes de sécurité collective en Europe qui n'auraient pas mis ces pays dans... la quasi-obligation de rejoindre l'OTAN, eh bien, nous n'en serions pas là. Et ensuite, Vladimir Poutine a utilisé le fait que l'Alliance Atlantique est évidemment avancée pour dire qu'il était l'agressé. Non, moi, je me suis opposé à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, précisément parce que je ne souhaitais pas qu'à côté de la Russie, il y ait un pays qui puisse être regardé par les Russes comme étant un pays hostile, ce qu'il n'était pas d'ailleurs. L'Ukraine n'a jamais été un pays hostile. C'est maintenant que la Russie est devenue un envahisseur. La Russie et la Chine ne sont pas des ennemis pour tout le monde non plus. C'est un peu d'européocentrisme de le voir comme ça. Mais je ne le prétends pas. Je pense que la Chine d'abord a beaucoup prêté à des pays qui en avaient le besoin, avec des règles qui étaient moins contraignantes que celles du FMI. Est-ce que c'est dans l'intérêt toujours commun ? On voit bien qu'il y a une forme de dépendance maintenant de beaucoup de pays à l'égard de ce que la Chine peut apporter comme moyen financier. Mais il y a eu aussi des réalisations d'équipements que je ne nie pas. C'est-à-dire que la Chine a utilisé son pouvoir économique pour s'implanter. Avoir une influence, une implantation, aussi quelquefois une prédation par rapport à des ressources minières ou à des métaux précieux qui ne doivent échapper à personne. Alors, que la Chine avance comme argument, c'est qu'elle n'a jamais été un pays colonisateur, ce qui est exact. Mais pourquoi vous dites prédation, dire, par rapport à ce que peut faire, par exemple, la coopération française ? Je pense que la coopération française n'a jamais utilisé, même dans les pires moments de ce qu'on appelait la France-Afrique, les ressources de l'Afrique comme si c'était ses propriétés. La Chine n'a pas ses scrupules. Mais néanmoins, il y a des États qui ont contracté avec la Chine, et je ne les blâme pas, parce que la Chine pouvait apporter aussi, à un moment, des soutiens importants. Ensuite, on voit bien que pour ces pays, c'est difficile de se désengager de l'appui chinois. Une fois que la Chine a contrôlé un certain nombre de moyens, de ressources, c'est difficile de l'évacuer. La Russie n'a pas du tout procédé ainsi. Et puis quand vous êtes un responsable politique local, vous devez avoir des résultats rapides. Quand la Chine finance très rapidement et que ça pousse, je pense que la responsabilité, vous avez parfaitement raison, elle est aussi du côté européen ou même international. C'est-à-dire d'y aller trop doucement. Les conditionnalités qui sont posées, les lourdeurs, les procédures, les contrôles, les vérifications,
fonds, même si c'est pour souvent lutter contre la corruption. Tout ça fait que ça prend du temps, alors que la Chine offre immédiatement les moyens financiers, quelquefois même les personnels pour construire et souvent bâtir même. L'équipement. Tout et puis utilise des technologies simples mais efficaces pour assurer un certain nombre de réalisations. Donc il faut que ce qu'on appelle l'Europe, l'Occident, comprenne bien que la Chine est un concurrent et qu'il faut se mettre non pas dans des règles chinoises, mais dans des règles qui correspondent à ce que les Africains, notamment, il n'y a pas que les Africains, les Latino-Américains ou autres, finalement attendent, c'est-à-dire un développement rapide. La Chine agit économiquement, va maintenant agir peut-être plus politiquement. La Russie, elle, n'a agi que politiquement. Elle n'a jamais voulu apporter des soutiens financiers dont elle ne disposait pas ou des investissements dans les pays africains. En revanche, avec les réseaux sociaux, avec le groupe Wagner maintenant, avec une certaine infiltration, la Russie joue politiquement une partie importante en Afrique. Vous évoquez longuement ce que vous appelez le retrait du gendarme du monde, c'est-à-dire le repli des États-Unis sur leurs problèmes domestiques et aussi sur la fin des aventures interventionnistes des démocraties un peu partout dans le monde. Je voudrais vous faire commenter une phrase prononcée par Vladimir Poutine dans la conclusion de son discours quand il a annoncé l'annexion des régions conquises par ses troupes. Il dit: l'effondrement de l'hégémonie occidentale qui a commencé est irréversible. Est-ce qu'il a raison sur ce point ? Je pense qu'il y a, de la part des États-Unis, depuis maintenant 10 ans, d'où le basculement dont je parlais au début de cet entretien, une volonté de retrait de la scène mondiale. C'est-à-dire que les Américains ne sont plus du tout dans l'idée qu'ils vont régler ou gérer ou entraver les conflits qui sont sur la planète. Maintenant, les Américains, c'est d'abord pour les Américains qu'ils travaillent. On le voit très bien en ce moment avec la crise énergétique, on le voit avec la question des échanges avec la Chine ou avec l'Europe, le protectionnisme américain est en place. Donc les Américains, ça a été vrai avec Obama qui a refusé d'intervenir en Syrie, ça a été vrai avec Trump qui a désengagé les États-Unis, notamment de l'Afghanistan. Vrai avec Biden au début de son mandat, là maintenant il est obligé de soutenir l'Ukraine, mais dans le long terme, les États-Unis seront beaucoup moins présents. D'où l'ambition, la prétention de la Russie d'un côté, de la Chine de l'autre, ensemble en plus pouvant être plus forts, eh bien de devenir eux aussi les régulateurs par la force du monde. D'où également votre proposition entre guillemets nécessaire, que l'Europe occupe une place beaucoup plus importante sur le plan politique et sur le plan de sa défense. Enfin, l'Europe, quand elle a vu que la Russie intervenait en Ukraine, elle a pris conscience de sa vulnérabilité. Et de ce point de vue, comme dans toute épreuve, il y a toujours une leçon à tirer. C'est-à-dire que les Européens doivent se dire que le lien avec les États-Unis ne pourra pas toujours être ce qu'il a été, ou ce qu'ils imaginent qu'il pourrait être demain. Donc, il faut que l'Europe se défende, il faut que l'Europe comprenne qu'il y a un rôle à jouer dans le monde, qu'il faut être beaucoup plus présent en Afrique et en Asie, qu'il y a une nécessité pour l'Europe de mettre davantage l'accent sur les technologies, et notamment les technologies de défense, et qu'à un moment ou un autre, il faut parler fort, sans avoir besoin d'un allié puissant. Vous formulez des propositions, notamment pour un nouveau multilatéralisme qui se consacrerait plus aux grands défis collectifs auxquels le monde doit faire face, comme évidemment le réchauffement climatique, en laissant de côté la politique, puisque ça ne marche pas. Mais on sent quand même votre optimisme assez modéré, voire un peu forcé, non ? Nous avons tous pris conscience, où que nous vivions, que la planète était vulnérable et que le réchauffement climatique était un processus non pas irréversible, mais en tout cas irréfutable. À partir de là, nous avons aussi conscience que la montée des inégalités dans le monde est un facteur de risque et de troubles considérables. Nous avons tous le sentiment que les ressources en eau sont maintenant aussi regardées par tous les pays comme une nécessité de préservation. À partir de là, au-delà des régimes, au-delà des divisions qui peuvent exister, au-delà des nouveaux blocs qui sont apparus, on a des intérêts communs.
Et l'intérêt commun, c'est la planète, de préserver sa gestion, la planète. Et aussi d'éviter la désertification ici. Mais vous y croyez, fondamentalement? Oui, parce que je crois que les peuples eux-mêmes sont maintenant en mouvement. Regardez ce qui s'est passé en Chine avec l'affaire du Covid. Un pays autoritaire décidait qu'il y aurait une stratégie zéro Covid, on allait enfermer les gens, ils ne pourraient plus sortir, et le virus... Et les gens se révoltent. À un moment, les gens se révoltent. Ouais. Quand vous avez une situation où vous ne pouvez plus respirer, où vous avez le sentiment que vos enfants ne pourront plus vivre là où vous avez vous-même eu vos racines, quand vous êtes confronté à des intempéries, ou que vous viviez au Canada, que vous viviez en Côte d'Ivoire, ou que vous viviez ici en France, vous vous dites, bah, écoutez, ça n'est plus possible. Il faut s'organiser. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que le changement climatique, on le ressent tous les jours, parce qu'on est dans une zone extrêmement impactée. Et ce sont souvent les pays les plus fragiles qui subissent le plus le réchauffement climatique. D'où une revendication qui était portée dans la dernière COP, d'indemniser les pertes et les dommages que le développement des pays du Nord a imposé aux pays du Sud. Donc il y a quand même une utopie hollandaise, je pourrais dire. Oui, il y a une utopie, socialiste, d'une certaine façon, puisque je reste socialiste. Une utopie qui est de dire, nous, face à des défis aussi globaux, nous devons être solidaires. Monsieur le Président, vous analysez longuement dans votre ouvrage les bouleversements du monde. On en a déjà vu certains. On pourrait ajouter la naissance de puissances régionales comme la Turquie et l'Iran. Le retour de la guerre en Europe, on en a parlé. Les GAFAM, vous faites un long développement sur les GAFAM. Les replis nationalistes qui vous paraissent extrêmement dangereux. Mais je dois dire qu'à mon étonnement, il y a, comme qui dirait, une grande absente dans ce livre, et c'est l'Afrique. Pourquoi ? Non, je reviens sur les décisions que j'ai prises moi-même d'intervenir au Mali. Elle est en filigrane, elle est dans plusieurs chapitres, mais il n'y a pas un chapitre qui est consacré à l'émergence de l'Afrique. Je pense qu'on parle souvent de l'émergence de l'Afrique, mais il faut aussi parler des enjeux qui sont extrêmement lourds et qui intéressent l'ensemble des puissances. L'Afrique est devenue une cible. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous connaissons dans chacun des pays africains, il y a la conscience que l'Afrique, d'abord, démographiquement, va devenir un des continents les plus peuplés du monde. Deuxièmement, que l'Afrique connaît un essor économique dans un certain nombre de régions, mais que l'Afrique est aussi travaillée par des inégalités considérables, par les conséquences du réchauffement et donc par les migrations qui vont inéluctablement se produire si nous ne faisons pas notre devoir à l'égard de ce continent. J'évoque à ce moment-là cette question des migrations comme étant non pas une menace supplémentaire, mais comme un risque supplémentaire. Et pour l'Afrique, parce que ce n'est pas acceptable de voir partir les plus jeunes et souvent les mieux formés, et ce n'est pas acceptable non plus pour les pays européens d'être obligés d'empêcher l'Afrique risque de leur vie de venir jusque nous. Quand vous dites que l'Afrique est une cible, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que c'est un enjeu pour les puissances, toutes les puissances, de savoir si ces pays-là vont être alignés sur un camp plutôt que sur un autre. On a vu ce qui s'est produit après la guerre ou pendant la guerre en Ukraine, où ce que l'on pensait être normalement une solidarité qui allait de soi à l'égard d'un pays agressé. Et les pays qui ont voté la résolution sont minoritaires. N'étaient pas comprises par nos amis africains, en tout cas ceux qui les représentent. Ce qui voulait dire quoi? Ce qui voulait dire que l'Afrique se désintéressait de ce qui se passait à l'extérieur? Non. Ce qui voulait dire que... De pas s'engager. Quand il y a des problèmes qui touchent l'Afrique, on a le sentiment qu'il n'y a pas la solidarité mondiale qui est attendue, il n'y a pas les indignations qui sont prononcées comme elles le sont pour l'Ukraine. Donc, quand il se passe ce qui se passe en République démocratique du Congo, quand il se passe ce qui se produit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, mais si je regarde du côté de l'Éthiopie, de la Somalie, quand on voit qu'il y a une somme de conflits qui devraient appeler quand même une intervention au sens politique et solidaire du monde,
eh bien, il y a une partie des Africains qui disent, bon, pourquoi, c'est le deux poids deux mesures, pourquoi vous alarmez sur ce qui se passe. Et puis vous nous demandez. Vous alarmez sur ce qui se passe à l'est de l'Europe et vous n'êtes pas présent comme vous devriez l'être par rapport aux difficultés que nous rencontrons. On considère généralement le continent africain comme continent d'avenir, du fait de ses ressources, du fait de sa jeunesse, du fait de sa démographie, mais justement, et beaucoup d'experts pensent que c'est elle qui porte l'avenir de la croissance économique du monde. Mais vous lancez un avertissement qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, c'est celui de la démographie. Oui. Vous pouvez expliquer ça? Je pense que l'Afrique a effectivement des ressources qui ne sont pas que naturelles, qui sont humaines. Humaines, évidemment. Qui sont aussi l'amélioration, malgré tout, du niveau de formation des Africains. Et qui correspondent aussi à une volonté de prendre à bras-le-corps les technologies nouvelles. On voit bien le développement du numérique en Afrique, il est considérable. Et on voit bien aussi que par rapport aux énergies renouvelables, l'Afrique peut être en avance sur le reste du monde. Bon, ça c'est les aspects les plus positifs, ce qui explique que l'Afrique ait pu avoir des taux de croissance significatifs. Sauf que quand le taux de progression de la population est de 4-5%, même avec une croissance forte, eh bien le pouvoir de vivre des individus n'est pas au rendez-vous. Et à partir de là, il y a une frustration. Mais vous savez que c'est très difficile pour des dirigeants africains de prôner la restriction des naissances. Oui, mais culturellement, ça va être difficile. Je peux comprendre, il y a des mentalités, il y a des traditions, il y a des histoires, et puis il y a aussi des phénomènes religieux que je ne veux pas du tout écarter. Mais chacun doit avoir cette réflexion à l'esprit. Comment l'Asie a fait, et notamment la Chine, pour arriver à avoir ce développement et cette croissance avec un réel progrès pour la population? Autant je conteste l'irrespect des droits fondamentaux en Chine, autant je dois reconnaître qu'il y a eu une progression considérable du niveau de vie. Comment on fait d'autres pays... La Corée du Sud, qui est tout le temps prise en exemple en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, et j'allais dire, autrefois, comment a fait l'Europe? Autrefois, il y a bien longtemps. Il y a un moment où il faut maîtriser sa démographie. Ça ne veut pas dire remettre en cause des mentalités ou des religions, mais ça veut dire être capable de permettre aux femmes aussi d'avoir une activité, de pouvoir, qu'elles ont, mais qu'elles n'ont pas forcément déclarée, d'avoir une capacité à pouvoir se former elles-mêmes, et aux enfants de pouvoir accéder à des services publics, et notamment éducatifs, qui les mettent en situation de réussir. Donc voilà, c'est un grand enjeu, et je pense que les dirigeants africains, qui bien sûr doivent tenir compte de ce qu'est la mentalité des peuples, doivent avoir le courage de dire qu'à un moment, il faut développer les moyens de contraception. Après, une fois que ces moyens de contraception sont diffusés, chaque famille s'organise comme elle le veut. C'est la liberté. Mais on peut décider d'avoir 2, 3 ou 4 enfants sans pour autant empêcher le développement de son propre pays. Alors vous avez une histoire un peu particulière avec l'Afrique, et notamment, qui ne se souvient de l'intervention française au Mali en janvier 2013, l'opération Chamal, à la demande des autorités maliennes, qui a empêché les groupes djihadistes de prendre Bamako, et qui ne se souvient de l'accueil triomphal que vous avez reçu par la population à ce moment-là. Pourtant, la pression terroriste n'a pas baissé, elle n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Comment on l'explique ? Cette décision que j'ai prise, elle était non seulement nécessaire, mais elle était souhaitée par les autorités. Les différentes autorités africaines, à commencer par le Mali, mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la CDAO, étaient tous en demande que la France vienne. Pourquoi ? Parce qu'on avait les moyens militaires à ce moment-là d'empêcher que Bamako soit conquise. Ensuite, nous sommes sans doute, nous Français, trop longtemps restés au Mali, non pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne voyions pas... D'issue. Oui, et surtout les forces qui pouvaient se substituer à nous. Mm-hmm. Les Européens n'étaient pas forcément aussi engagés que nous. La mission de l'ONU, on en connaît les limites et la désorganisation. Et les pays africains eux-mêmes qui devaient mettre en place le G5 Sahel n'étaient pas non plus empressés de le faire. Et l'armée malienne elle-même était... L'armée malienne elle-même ne souhaitait pas multiplier les opérations au nord. Ce qui fait que nous, sans que nous l'ayons vraiment souhaité, nous sommes restés avec l'opération Barkhane longtemps, beaucoup plus longtemps que moi-même.
je ne l'avais imaginé. Et c'est ce qui a permis, à ce moment-là, je parlais des influences étrangères, à dire, vous voyez, vous êtes occupés aujourd'hui, ce sont des forces qui viennent de l'Europe, notamment de la France, et qui ne peuvent pas lutter contre le djihadisme de manière efficace. La France s'est retirée, elle a eu raison, dès lors qu'elle n'était plus souhaitée au Mali par les autorités. Mais vous dites qu'il faut qu'elle reste. Mais il faut qu'elle reste. Au Niger, au Tchad, au Burkina Faso. À la seule condition qu'elle soit demandée. Elle ne doit rien imposer par elle-même. Si nous avons sacrifié la vie de 85 soldats, ce n'est pas parce que nous cherchions le moindre intérêt. C'est parce que nous avons été sollicités. J'ai eu cette phrase quand je suis allé à Tombouctou et ensuite à Bamako en 2013. J'ai dit, nous venons payer notre dette. Nous ne venons chercher aucun avantage. Nous venons payer notre dette. Parce que les tirailleurs sénégalais, qui étaient en fait maliens pour beaucoup, comme ils étaient sénégalais, comme ils pouvaient être ivoiriens, eh bien, ils nous ont aidés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et nous, face au djihadisme qui risquait de déstabiliser toute cette région, nous venions payer notre dette. Et donc, nous n'avions rien d'autre à rechercher. Et aujourd'hui encore, moi, je veux le dire aux Africains qui s'interrogent, en disant, mais pourquoi la France viendrait ici nous aider? Nous ne faisons que ce que l'on nous demande. Et si demain je redevenais président de la République, je n'aurais pas d'autre position que celle-là. Nous venons que si nous sommes sollicités. Sinon, nous n'avons aucun intérêt économique particulier à rechercher par notre présence militaire. On sait aujourd'hui, on voit que dans ce pays, le Mali, mais dans tous les pays de la sous-région ouest africaine, l'image de la France s'est considérablement dégradée à une vitesse grand V, et particulièrement dans les 10 ans qui vous intéressent dans votre ouvrage, ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Pourquoi cette dégradation et pourquoi si vite? Pour les raisons aussi que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le sentiment que la France vient chercher des avantages. Alors que sa présence militaire n'est nullement voulue par nous, elle n'est simplement que souhaitée par les pays qui nous y invitent. Deuxièmement, nous avons des entreprises qui travaillent en Afrique et qui travaillent bien, et je ne veux pas laisser penser qu'elles seraient prédatrices, quand d'autres peuvent l'être venant d'autres pays. Et enfin, je pense qu'il y a toujours le souvenir du colonialisme, que certains exhument, bien sûr. Enfin, quelque chose n'est pas passé. Bien sûr, et donc il est très important que la France, et je l'ai fait, Emmanuel Macron a pu poursuivre, toujours la reconnaissance de ce qu'avaient pu être les méfaits du colonialisme. Mais est-ce qu'on peut inverser la tendance aujourd'hui? Parce que c'est très profond, hein, c'est très profond. Je crois qu'il le faut, inverser la tendance, parce que ce serait très injuste de faire porter aux générations d'aujourd'hui ce méfait qu'a été le colonialisme. Qui reste dans les esprits, c'est normal, parce que ça, il y a quand même le poids de l'histoire. Il y a aussi ce qu'a été l'esclavage, et qui, notamment en Amérique et aux Antilles, est présent comme ressentiment aussi, et qui est souvent exhumé. Mais là aussi, est-ce qu'on est capable de dire ce qu'a été l'histoire, et est-ce qu'on est capable aussi de faire ce que l'avenir nous commande de réaliser? C'est ça qu'il faut, rien oublier, mais enfin nous projeter. Sinon, on va se regarder sur des conflits qui sont bien antérieurs à notre propre existence. Hein. Dernière question, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les autorités françaises prônent une relation partenariale, égalitaire avec les pays africains. Et vous-même, vous écrivez, il ne s'agit plus de solidarité compassionnelle, de remords liés au passé, mais d'enjeux que nous devons partager. Est-ce que vous croyez qu'un partenariat égalitaire entre la France et ses anciennes colonies est possible? Mais oui, bien sûr qu'il est possible. Et moi, je l'ai fait comme je devais le faire comme président de la République. Les réunions que l'on organisait entre la France et les pays africains permettaient d'avoir ces coopérations. Je pense que la France doit amener l'Europe surtout. Pour souvent éviter justement ce reproche permanent, de dire que c'est la France qui se raccroche à ses anciennes colonies comme si elle avait des droits sur elle. Nous n'avons aucun droit sur les colonies, mais en revanche, qui se sont non seulement émancipés, mais qui se sont séparés, et qui se sont séparés non pas humainement, parce que nous avons des liens, mais qui se sont séparés politiquement. Donc ce que devait faire la France, c'est d'emmener l'Europe.
en Afrique, de faire comprendre à l'Europe que l'Afrique, c'est son partenaire. Qui de plus en plus est présente en tant que telle. Exactement. Et ouais. Ce que je ne voudrais pas, c'est parce qu'il y a un conflit majeur qui se passe à l'est de l'Europe, on oublie le sud de l'Europe. Et la responsabilité d'un pays comme la France, qui représente à la fois des intérêts mondiaux, d'avoir une force de dissuasion qui peut également être utile dans un moment de conflit qui peut potentiellement dégénérer. Mais le rôle de la France, c'est de s'ouvrir et de faire ouvrir à l'Europe ce continent africain. Donc je le souhaite ardemment parce que c'est le besoin, non pas de l'Europe, mais c'est le besoin commun de l'Afrique et de l'Europe. Merci François Hollande. Merci Monsieur le Président de nous avoir accordé cet entretien. Je voudrais céder à une petite tradition, pardon, de notre émission. Je vais vous offrir un peu de chocolat ivoirien. Ah oui, ça c'est... Hein ? Et c'est fait par une jeune femme, une jeune entrepreneur qui est issue de la diaspora. C'est ça, hein ? Absolument, on a tout vu. Et puis, je vous offre cette étoffe qui est une écharpe d'un créateur burkinabé. Devinez comment ça s'appelle ? François Ier. Ah oui. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci, bah avec ça, je suis couvert. Vous êtes couvert. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci de votre attention. Bonne fête à tous. À l'année prochaine.